Bon, salut Edor, on est venu te rencontrer sur le Beachmaster Montpellier. Donc, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de toi, s'il te plaît? Alors, donc je m'appelle Edouard Rolandson. Je viens du Touquet, donc dans le Nord-Pas-de-Calais. Et donc, je suis ici au Beachmaster et j'ai eu un assez long parcours avant d'en arriver ici. J'ai obtenu mon bac donc avec pas mal de difficultés, mais je l'ai eu et ça m'a fait comme un énorme soulagement. Et elle a vu qu'il y avait ce fameux concours de sportifs de haut niveau à Subdeco Montpellier, et c'était le seul en France. Et ça tombait pile poil à Montpellier, là où j'étais encore basé. Et ensuite j'ai intégré mon premier club pro, donc tout en continuant mes études à Montpellier. C'était ma priorité. Me voilà ici, donc maintenant au beach volley. Après 5 ans de saison en salle. Ok, et au niveau des études, Subdeco, allier le beach volley, le Subdeco, ça a été comment? J'avais vraiment la confiance de l'école. Elle donne énormément de confiance aux sportifs et on a une relation assez proche avec l'administration. C'est très bien adapté. Pour moi, je ne crois pas connaître d'autres écoles qui laissent vraiment une flexibilité avec les emplois du temps pour les sportifs. Et l'école est là derrière à te pousser. Donc est-ce que tu pourrais nous parler du tournoi Beachmaster Montpellier, des équipes qui seront présentes sur place, des nations qui sont représentées, et un peu les dates et les jours du tournoi? Aujourd'hui, ça devient un tournoi donc officiel. Donc on appelle ce tournoi un satellite. Il y a différents paliers et niveaux de tournoi. Et le satellite, c'est le premier niveau, c'est-à-dire qu'il y a donc satellite, challenger, open et grand chelem. Voilà, donc ce sont les quatre paliers en termes de compétition. On espère vraiment un soutien de la part de tout le monde ici sur Montpellier. Bon, en tout cas, merci. Avec Subdeco, on va te soutenir jusqu'au bout. On espère que tu iras jusqu'à la finale. On sera là jusqu'à dimanche, j'espère. Vous pouvez être sûr que je serai à 3000%. Dur comme ferme, c'est ça qu'on dit? Comme ferme. Tu la remettras celle-là.